Bonjour à tous et bienvenue pour cette journée dédiée de webconférence dédiée aux maladies rares. Nous sommes ravis de vous accueillir ici. Bienvenue pour cette webconférence sur la génétique des maladies, transmission, conseils et tests avec le professeur Stanislas Lyonnais, pédiatre et généticien, mais aussi directeur de notre bel institut, et le professeur Julie Stéphan, praticienne hospitalière à l'hôpital Necker. Pour poser vos questions, n'hésitez pas à utiliser l'outil questions-réponses situé en bas de votre écran ou à lever la main et nous activerons votre micro et votre caméra si vous souhaitez poser votre question en live. Je vous souhaite une bonne conférence à tous. Merci beaucoup, Mélissa. Merci d'avoir rejoint le marathon des conférences Imagine dans cette journée dédiée aux maladies rares. Deux petites choses en avant-garde. Le professeur Julie Stéphane est non seulement généticienne, praticienne hospitalière à Necker, mais elle dirige le service de génétique moléculaire de Necker. Et donc, c'est à ce titre qu'elle va vous évoquer tous les sujets qui tournent autour des tests génétiques, leur qualité, leur indication, la maîtrise de la prescription, la difficulté de l'interprétation plus les méthodes avancent et se propagent. Et puis, une très brève annonce qui est tombée ce matin, jour des maladies rares, un médecin-chercheur universitaire en génétique, d'ailleurs aussi de l'Institut Imagine et de l'Université de Paris, le professeur Alain Ovnanian, qui travaille sur les génodermatoses, vient de recevoir le prix EURORDIS, qui est le conglomérat des associations de maladies génétiques à l'échelle européenne. Ce prix s'appelle Black Pearl et c'est un prix qui honore toute une carrière et des découvertes importantes, en l'occurrence sur les maladies génétiques de la peau. Donc, vraiment bravo Alain, on est extrêmement fiers de cette distinction tout à fait prestigieuse qui récompense une carrière consacrée en sciences, en recherche, en médecine, aux maladies dermatologiques rares. Julie. Donc moi, je vais vous parler un petit peu peut-être de ce qu'on fait dans un laboratoire de diagnostic pour des maladies monogéniques. C'est vrai que je suis repartie un peu d'un topo qu'on avait fait pour des étudiants qu'on avait intitulé « Trouver le coupable ». Et on va voir un peu comment nous, dans ce fouillis de notre diversité génétique, on réfléchit pour essayer d'identifier parmi la diversité quelle est la faute d'orthographe qui est venue perturber l'expression de nos gènes. Donc la première étape, elle est bien sûr, donc c'est la diapositive suivante, elle est bien sûr celle d'une consultation de génétique, dont Stanislas, je pense, parlerait mieux que moi, mais dont l'objectif est déjà décrire cliniquement les patients, essayer de voir des petits signes qui ont pu passer inaperçus, mais qui, quand on les cherche, peuvent être présents. De faire un arbre généalogique, comme représenté sur la diapositive, pour essayer de voir s'il y a un mode de transmission qui peut être évoqué, tiré de cet arbre. Mais dans nos familles, qui sont quand même de taille finalement assez réduite, il est fréquent que le malade génétique soit le seul de sa famille à présenter des symptômes. Et puis, en fonction un peu de cette présentation clinique et des données familiales, de décider quelle thèse diagnostique on va prescrire. Alors, toute analyse génétique est soumise à consentement, c'est vrai, au plan international. Vous ne pouvez pas normalement tester le génome des patients sans leur consentement. Et la question que nous nous posons, c'est est-ce qu'on va lancer une analyse ciblée? Est-ce qu'on sait exactement ce que l'on cherche a priori? Est-ce qu'on va lancer une analyse un peu plus large sur ce qu'on appelle des panels de gènes? Vous présentez une surdité, on connaît aujourd'hui une centaine de gènes responsables de surdité et c'est peut-être pas la peine de séquencer plus largement que ça. Et puis, il y a des études beaucoup plus larges qui commencent un peu
à être mises en route, qui sont des études qu'on appelle exomes, l'ensemble des séquences codantes, ou des études encore plus larges du génome, c'est-à-dire tout notre ADN. Je pense que une des questions aussi qu'on doit toujours se poser, c'est est-ce qu'il y a une utilité clinique à faire ces tests, parce que ce sont quand même des tests qui vont avoir un certain coût, et donc au niveau sociétal, un impact. On ne pourra pas forcément faire tout pour tout le monde. Donc, quelle est l'utilité du test diagnostique? Et l'utilité, elle est souvent de confirmer le diagnostic clinique, ou de l'exclure, et dans un certain nombre de cas, de proposer un pronostic. Voilà, effectivement. Alors, en génétique moléculaire, dans nos laboratoires, on a des espèces de guidelines internationales qui sont sorties il n'y a pas très très longtemps, et auxquels tout le monde se réfère pour essayer de parler un même langage, pour que ce qui sort d'un laboratoire français puisse être exploité par un laboratoire belge ou américain. Et donc, on a 5 classes de classification des variants génétiques. Vous avez les variants de classe 1, qui sont les variants bénins, qu'on va appeler le plus souvent des polymorphismes, qui vont être en fait des variations génétiques qu'on rencontre un petit peu chez tout le monde. Et pour vous donner un ordre d'idée, ces variants bénins, il y en a à peu près un toutes les 100 bases de notre génome. Donc, il y a une très grande variabilité génétique dans l'espèce humaine. Et c'est cette variabilité génétique qui fait qu'on est tous différents, probablement, mais aussi qui complique pas mal les analyses génétiques, parce que quand vous trouvez un variant, vous pouvez juste être devant ce qu'on appelle un variant bénin, sans conséquences cliniques. Et puis après, vous voyez une gradation avec un variant qui va être probablement bénin, mais peut-être pas. Puis un variant de signification inconnue qu'on ne va pas savoir placer. Et puis un variant probablement pathogène, c'est-à-dire probablement responsable d'une maladie, jusqu'au variant de classe 5 dit pathogène. Voilà. Donc comment est-ce qu'on s'oriente dans ces différentes classes ? Eh bien, on va se servir de données épidémiologiques. Alors, on a des bases de données que nous partageons au niveau international. Vous avez les bases de données, par exemple, qu'on appelle GenomeAD, qui collectent l'ensemble des données de génome d'individus sains, entre guillemets, donc de personnes qui n'ont pas de maladie a priori. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais l'idée c'est est-ce qu'il y a une correspondance entre le variant qu'on a identifié chez le patient cette base de données en population générale. Alors bien sûr, suivant d'où vous venez dans le monde, votre représentation à l'intérieur de cette base de données, elle n'est pas forcément excellente, puisque ces bases de données, elles viennent quand même de pays qui ont eu l'argent pour faire des études de génome. Et donc, vous pouvez venir de régions où, finalement, très, très peu de personnes de votre origine ethnique ont été séquencées et mises dans les bases de données. Donc, cette notion de d'où vous venez, elle est importante en génétique, elle est aussi importante pour l'interprétation des résultats. Vous avez les bases de données cliniques. Alors là, c'est à l'inverse des patients atteints de maladies génétiques pour lesquels on a trouvé le variant pathogène et donc on l'a inscrit dans une base de données de clinique. Et là aussi, on peut comparer ce qui sort finalement des études génétiques des patients avec les bases de données cliniques qui collectent l'ensemble des variants pathogènes. Et puis après, quand c'est un variant qui n'est pas ni dans une classe de variants polymorphes, ni dans une classe de variants pathogènes, vous avez des outils bioinformatiques qui vont vous aider à vous orienter. Est-ce que mon variant, il est dans une région codante tout le long du génome? Est-ce qu'il il affecte une structure de la protéine? Est-ce que c'est un acide aminé qui est très conservé dans les espèces, je ne sais pas, chez la souris le poisson zèbre, etc. Est-ce qu'il a un rôle possiblement important ou pas? Ceci dit, ça reste des données bioinformatiques et ce n'est pas des données qui vont être
forcément utilisable à 100%. Il faut rester très prudent dans l'interprétation des données bioinformatiques. Ça reste de l'informatique, de l'intelligence artificielle. Diapositive suivante. Alors, vous avez les données familiales, elles sont beaucoup plus robustes que les données informatiques et on se sert beaucoup de ces études familiales qui consistent en fait à rechercher le variant qu'on a identifié chez les patients, chez les apparentés, soit les apparentés sains et auquel cas ils ne sont pas censés être porteurs du variant ou des variants en maladie récessive, soit les apparentés asymptomatiques, symptomatiques qui eux sont censés avoir hérité du variant. Donc, c'est ce qu'on appelle les études de ségrégation. C'est un gros travail des généticiens de reconvoquer les apparentés. Ce n'est pas toujours simple d'avoir accès notamment à des prélèvements sanguins de personnes qui n'ont pas de symptômes et qui ne vont pas forcément bien comprendre à quoi sert de donner un peu de leur matériel génétique. Ces études familiales, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles permettent pour un certain nombre de variants de nous aider à répondre si on est dans un variant probablement bénin ou un variant probablement pathogène. Et puis la dernière étude, et peut-être c'est beaucoup de ça dont il a été question au cours des différentes présentations, c'est les données fonctionnelles. C'est souvent des données issues de la recherche. On va aller plus loin que juste l'étude de l'ADN, on va pousser à l'étude de son produit d'expression, qui est l'ARN, et même au produit d'expression de l'ARN, qui est la protéine. Et là, on va pouvoir regarder si la protéine est active ou pas dans différents modèles cellulaires, même dans des modèles animaux, etc. Mais on est vraiment dans quelque chose qui est, pour le moment du moins, pas mal réservé aux laboratoires de recherche parce que extrêmement consommateur de temps et d'argent. Et ça répond souvent à une question extrêmement précise pour lesquelles les laboratoires de diagnostic ne sont pas forcément bien équipés. Voilà. Merci beaucoup, Julie. Je crois que c'était important que le professeur Stéphane dresse la toile générale de ce que sont les tests génétiques en insistant sur la vérité d'une révolution technologique qui laisse penser qu'ils sont faciles, ce qui est techniquement, économiquement vrai, mais il faut en même temps que tous ceux qui nous écoutent comprennent que, au fond, plus on a de données faciles à produire en génétique, plus l'interprétation est délicate. Et elle a eu raison d'insister sur la qualité de l'interprétation. Et l'assemblage que nécessite la qualité de cette interprétation, c'est-à-dire elle va faire recours à des généticiens moléculaires, mais aussi à des cliniciens qui vont apporter leur contraste. La génétique n'est qu'une comparaison, c'est toujours une comparaison, à la famille, aux généticiens bioinformaticiens, spécialistes des calculs, de la statistique, aux généticiens fonctionnels parfois qui vont établir la vraie causalité d'un variant par rapport à un autre, s'il faut en arriver là. Et plus la meule de foin est grande, c'est-à-dire plus on est passé de un gène ou deux à un panel de gènes, 100, 150, 200 gènes, à l'exome et au génome complet, plus on augmente le champ des variants qui sont repérés, plus l'aiguille dans la meule de foin est difficile à trouver. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre et qui préside à la qualité du parcours, dont dépend la qualité du résultat. Or, du résultat, évidemment, dépend des choses essentielles qui feront peut-être l'objet de votre question. Est-ce que mon enfant a cette ou cette maladie? Est-ce que le conseil génétique pour ma famille est de ce type ou de ce type? Est-ce qu'il y a un risque ou pas pour d'autres enfants? Est-ce que l'on va pouvoir faire des tests chez les apparentés ou pas? Et au fond, la génétique à laquelle on prête une valeur forte et qui a une valeur forte, est parfois très difficile à affirmer dans ces situations. Est-ce qu'on peut peut-être passer à des questions maintenant, si oui, vous complètement. Voulez. On a déjà une première question de Marie-Luce, qui demande quel bénéfice le diagnostic génétique réalisé dès le plus jeune âge, entre parenthèses 3 ans, peut-il apporter dans le cas d'une dysplasie polyépiphysaire, premier diagnostic radio et antécédent chez la mère?
Déjà, le diagnostic génétique, il va permettre de confirmer le diagnostic clinique, puisque le diagnostic de dysplasie osseuse, il a été fait cliniquement et probablement radiologiquement. La génétique, c'est un peu comme une radio, ça permet de conforter le diagnostic clinique et radiologique. Ça permet parfois d'en préciser le pronostic, puisque peut-être que si on trouve une mutation dans le gène A, ça sera une forme moins sévère que si on trouve une mutation dans le gène B. Ça permettra aussi éventuellement d'offrir pour certaines maladies génétiques un traitement adapté, puisque vous avez quand même des maladies génétiques où on a absolument besoin du génotype pour pouvoir proposer ou non d'ailleurs le traitement. Et puis ça va permettre d'aider au conseil génétique. Et on n'en a pas parlé, le conseil génétique, c'est quel est le risque? Parce que dans la maladie génétique, c'est pas seulement j'ai un enfant malade, c'est est-ce que j'ai le risque que mes autres enfants aient la même maladie? Est-ce que moi-même j'ai un risque de développer cette maladie? Et toutes ces questions, c'est ce qu'on regroupe sous le terme de conseil génétique. Et c'est vrai que si on est dans le cadre d'une dysplasie osseuse de transmission liée au chromosome X, par exemple, eh bien le conseil génétique va être très différent d'une maladie osseuse de transmission autosomique dominante ou de transmission récessive. Et donc, les moyens de prévention, le risque de récidive va être très différent, les moyens de prévention, diagnostic prénatal, diagnostic préimplantatoire vont aussi être différents. Peut-être c'est rassurant aussi quand même pour certains patients de voir tout à coup que cette maladie, elle a une explication qui est claire, c'est pas que de la malchance ou que quelque chose qu'on connaît pas, qui nous est tombé dessus, etc. Et que là, on a finalement une base objective à la maladie de l'embryon. Merci. C'est un dernier point très important, c'est que la caractérisation de ce que c'est écarte beaucoup d'autres hypothèses. Et au fait, le fait de ne pas savoir, beaucoup de parents nous témoignent de ça, ce qu'on appelle l'errance diagnostique, c'est tant qu'on n'a pas nommé le mal ou mis une étiquette sur le dossier, laisse la place à l'élaboration de beaucoup d'autres hypothèses, souvent délétères pour les familles, pour les enfants eux-mêmes. C'est la faute de la grossesse, c'est la faute de l'accouchement, c'est la faute des parents, c'est la faute de la famille, etc., etc. J'ai pris tel médicament. Et la génétique arrive pour dire quelque chose qui est solide, qui est une signature biologique et qui écarte beaucoup d'autres hypothèses. Et puis, dans la question de Marie-Luce, il y avait peut-être la question de l'âge aussi que j'ai perçu qui était pourquoi à 3 ans ? Alors, le professeur Stéphane a très bien dit ça. Ça permet de faire le diagnostic, parfois de la recherche clinique. Cet enfant n'est plus seul au monde, il fait partie d'un groupe de dysplasie polyépiphysaire de ce type-là. Mais pour les tests chez l'enfant, il faut que les tests aient une utilité clinique. Elles ont été énoncées. Et donc, c'est un point important de la pratique dans les tests génétiques, c'est que, bien sûr, il faut qu'il y ait une utilité pour l'enfant qui n'est pas capable de prendre la décision pour lui-même, bien sûr. Mais on estime que ces tests ont une utilité et Julie les a bien donnés. Merci beaucoup. On a une question qui va être posée en live. Du coup, Benjamin Marasli, on va vous donner la permission, parole, entre guillemets, de parler. Vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Il faut que vous... Bonjour, professeur. Vous m'entendez? Oui. Oui, alors moi je me prénomme Benjamin, je suis atteint d'une ataxie cérébelleuse type Arsax. J'ai été diagnostiqué depuis le mois de mars, je suis suivi par le professeur Alexandre Adur et ça m'émue. Et le docteur Anna Eisman, et j'aimerais voulu savoir s'il y aurait dans un futur proche une façon de bloquer la dégénérescence, comme c'est une ataxie dégénérative autosomique à long terme. Est-ce qu'il y aurait un moyen, comme je vous dis, dans un futur proche,
de bloquer, c'est de stopper ou de ralentir la dégénérescence. Alors, vous êtes suivi dans un institut qui est très jumeau de l'Institut Imagine, qui est l'ICM, l'Institut Cerveau, oui. C'est Salpêtrière, et déjà, je vous rassure, vous êtes suivi par les meilleurs. Le professeur Dieu. Oui, absolument. C'est vraiment le centre de référence national et même européen pour cela. Deuxièmement, c'est vrai qu'on a affaire là à un groupe de pathologies où, par rapport à celle qui était évoquée tout à l'heure, par Marie-Luce ou la dame précédente, on a le mauvais goût de pouvoir évoluer avec le temps, dégénérer en quelque sorte. Alors, je ne connais pas exactement le modèle de cette ataxie cérébelleuse. Vous savez qu'il y en a, de nombreux, oui. C'est très hétérogène. Mais ce que je sais, c'est qu'il y a des travaux importants qui visent à essayer de bloquer cette dégénérescence qui est souvent liée à des répétitions d'ADN qui produisent des protéines avec ce qu'on appelle une expansion, que ce soit à l'échelon de la protéine elle-même, à l'échelon de l'ARN qui est produit par cette protéine, à l'échelon d'anticorps, il y a beaucoup de travaux pour essayer justement de bloquer ce système. Ce qui rend très difficile ces études, ces travaux de recherche clinique, c'est de pouvoir viser les bonnes cellules. Et comme vous le savez, l'expression de ces maladies neurodégénératives adultes du cerveau peuvent se localiser dans le cervelet. Du cervelet, excusez-moi. Mais le cerveau, c'est le cervelet. Dans les noyaux gris aussi, ou dans d'autres noyaux, oui. Cérébraux. Et donc, une des immenses difficultés, c'est d'arriver à adresser le médicament déjà dans le cerveau et au bon endroit. Et tout ça est l'objet de recherches extrêmement actives. J'aurais du mal à en dire plus. Julie, je ne sais pas si tu sais un petit peu plus là-dessus. En tout cas, on peut vous rassurer, vous êtes vraiment à l'endroit où il faut. D'accord. Une chose qu'on peut vous dire, monsieur, c'est l'importance de continuer votre suivi en génétique, parce que si se mettent en place des essais thérapeutiques, c'est via le recrutement des généticiens ou des neurologues qui vous suivent, et de ne pas à un moment baisser complètement le suivi en disant « de toute façon, ils n'ont rien à proposer », parce que le jour où on pourra vous proposer quelque chose, il faut que vous ayez ce suivi pour qu'on puisse vous le proposer à vous. Bien sûr, moi je suis né comme ça, c'est congénital. Donc mes deux parents sont porteurs du gène Sachs et me l'ont transmis. Donc c'est récessif. Et donc voilà, j'ai toujours été suivi depuis 41 ans maintenant. Et voilà, je continue tous les ans à aller faire une visite avec le professeur Dur et le docteur Eichmann. Et voilà. Merci beaucoup. On va peut-être aller à une autre question. Alors, maman et enfant auront-ils la même forme de dysplasie polyépiphysaire avec les mêmes attentes? C'est la question. En précisant, je crois qu'il s'agit d'une forme dominante chez la maman. En général, en médecine, on ne peut jamais complètement prédire un pronostic chez un patient. Alors, en génétique, on l'explique par le fait de la grande diversité génétique qui va avec la mutation, c'est-à-dire que un enfant, il a la moitié de son génome qui lui vient de sa mère, mais l'autre moitié qui lui vient de son père. Et donc, vraisemblablement, les facteurs génétiques dont on hérite de l'autre parent vont moduler l'expression de la maladie. Donc, même si bien sûr ça va ressembler, on ne peut pas dire que ce sera exactement la même chose. Non, ça serait, je pense, un peu dangereux. Je préfère vous dire qu'on ne sait pas très bien. Ça ne sera pas une autre maladie, ça ne sera pas une autre forme, hein, ça peut être plus ou moins grave suivant les individus, parce que, encore une fois, il y a probablement donc toute cette diversité génétique qui module la maladie, et puis peut-être aussi le mode de vie, de la même façon que vous avez des vrais jumeaux qui ne font pas la même taille. Hein. Pourtant, ils ont les mêmes gènes.
Alors, une question d'Amandine qui se demande s'il est encore possible en tant qu'adulte de faire un test génétique avec ses parents. Je précise qu'elle a le syndrome de Neil Patella. Alors, tous les jours, nous faisons des tests génétiques chez des adultes et il nous arrive dans un très grand nombre de cas de leur demander d'avoir accès à l'ADN de leurs parents. Il n'y a pas d'âge limite pour faire des tests génétiques parce que, encore une fois, les parents nous aident souvent à classer les variants. Donc, l'accès à l'ADN des parents est très important, même si c'est peut-être sans bénéfice pour eux directement. Ils le font pour leur enfant. Merci. Alors, une autre question de Nathalie qui demande, est-ce que les variants peuvent changer de classe, passer de bénin à pathogénique? Oui, les variants peuvent changer de classe parce que on est tout au début de la lecture de notre génome. Hein. Il faut, enfin, les premiers génomes, enfin, le séquençage du premier génome, il a pris 10 ans. Je ne sais plus, c'était en 2010, un peu avant, 93-2003 à peu près. Voilà, 2003, le premier génome. Et puis ensuite, si ça monter progressivement, mais vous voyez, la base de données 1000 génomes, c'est pas plus, beaucoup plus. Hein. Donc, on connaît très, très peu les variants génétiques. Et certains, alors, peut-être pas de bénin à pathogénique, parce que pour les mettre dans les variants bénins, c'est que quand même, c'est des variants très fréquents dans la population générale. Alors, hormis des variants très fréquents dans la population générale, responsables de maladies très fréquentes, peut-être hypertension artérielle, peut-être le diabète de type 2, peut-être. Ça me semble peu vraisemblable de passer de bénin à pathogénique. Mais par contre, de passer d'un variant de signification inconnue à un variant pathogène, ça, c'est tous les jours. Et inversement, d'un variant de signification inconnue à un variant bénin, c'est aussi tous les jours. Et là aussi, c'est souvent les études familiales hein, qui nous aident beaucoup pour replacer les variants. Tu es familial et le partage des données internationales. Et le partage des données internationales. C'est vraiment important. Ouais. Il faut être. Stéphane insistait tout à l'heure sur la confidentialité des données, le respect de l'anonymat, le consentement. Elle a tout à fait raison. Il faut qu'on puisse avoir des instruments qui, en même temps, répondent à ces exigences des bonnes pratiques en génétique. Vraiment, les généticiens français, en particulier à Imagine, à Necker, défendent vraiment ces bonnes pratiques en même temps que l'on peut partager non pas l'individualité des données, mais la masse des données pour nous aider à augmenter la connaissance. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, l'augmentation très rapide de la facilité de lire l'ADN, la diminution des coûts, fait que ce qui augmente aujourd'hui paradoxalement, c'est l'incertitude sur des variants justement de classe 3, c'est les variants de classe 3 qui augmentent. Et donc, la question est importante. Oui, ils sont forcément amenés à évoluer dans une autre catégorie, c'est-à-dire être rétrogradés dans des variants probablement bénins, voire certainement bénins, ou au contraire, être versés dans la catégorie des variants pathogènes. Et puis, il y a une deuxième échelle, c'est que cette variabilité dont on parlait pour expliquer la variabilité d'expression des maladies génétiques, cette famille qui posait la question, est-ce que ce sera pareil entre un parent et un enfant, et la réponse de Mme Stéphane, oui, c'est non, c'est souvent très variable. Ces variants pourraient ne pas être des variants qui sont à la cause, au déterminisme de la maladie, mais peut-être qui modifient l'expression d'une maladie génétique. Donc tout ça est très très instable aujourd'hui, et paradoxalement, avec les capacités modernes, ce qui augmente maintenant, et ça va être résolu dans quelques années, je pense, et très rapidement, ce qui augmente actuellement, c'est le degré d'incertitude des variants de classe 3. Si Christelle nous demande les connaissances évoluent, procédez-vous à une réévaluation des données de séquençage de vos patients pour les maladies non diagnostiquées ou mal diagnostiquées? Alors, ouais, très bonne question. On essaie. On essaie de réévaluer les données. Donc, il y a les variantes de signification inconnue, on les réévalue quand même relativement souvent. Mais ce qu'on essaie même de réévaluer, c'est par exemple les grandes études d'exome des patients, de les relire
Parce qu'il y a des équipes qui ont très, très clairement montré que quand vous relisez une étude, par exemple, d'exome 2-3 ans après, vous retrouvez des diagnostics alors que vous étiez passé à côté 2-3 ans auparavant. Donc, c'est nos internes en particulier en ce moment relisent pas mal d'exomes négatifs. D'accord, merci beaucoup. C'est une, raison, si je peux ajouter, c'est une raison supplémentaire, c'est la réponse de Mme Stéphane, à dire aux patients qui nous écoutent, revenez en génétique, pas forcément tous les 6 mois ou tous les ans, mais revenez, un dossier de génétique n'est jamais fermé, jamais. Ça fait partie de ces dossiers qui sont sanctuarisés. C'est vrai que les dossiers cliniques sont en général détruits, je crois, au bout de 10 ans, automatiquement pour des raisons pratiques, et on comprend bien ça. Et les dossiers de génétique qui ont une valeur de toute la vie pour une personne, voire de plusieurs vie pour une famille ne sont jamais détruits. Revenez en génétique pour nous proposer, nous inciter justement à revoir ces données. Et puis il y a un autre élément, c'est ce qu'on appelle les entrepôts de données intelligents, c'est-à-dire c'est ce qu'on essaie de construire, notamment imagine un entrepôt de données de recherche qui va réunir les données cliniques, les signes, les radios, les commentaires cliniques et les données de génétique pour essayer de faire des diagnostics, de récupérer des diagnostics chez les personnes qui n'en avaient pas eu. Et ça, c'est un travail important à l'Institut et ailleurs. Merci beaucoup. On a une autre question d'un spectateur anonyme qui précise être éducatrice d'un IME polyhandicapé. Et elle demande, les maladies très rares ont une évolution, une expression très différente d'un enfant à l'autre. Peut-on, avec le conseil en génétique, tenter une prédiction de certaines déficiences, celles qui ont le plus de chances d'apparaître? Merci. C'est très vaste comme question parce que c'est la question de la prédiction de l'évolution et du pronostic. Alors, autant, comme le disait Julie, lorsque la génétique est sûre d'elle-même, et elle l'est de temps en temps, pas toujours, mais elle l'est de temps en temps, et on le dit alors, sur le diagnostic, en disant oui, le diagnostic au sens de la génétique, ce n'est pas la description de la maladie pour madame, c'est la description, il y a une épilepsie, un autisme, un trouble envahissant du développement. Ça, c'est l'affaire des psychiatres, des neuropédiatres, voire des généticiens. Mais c'est la description clinique. Le diagnostic en génétique, c'est la raison d'être du trouble. C'est qu'est-ce qui a causé cette manifestation. Donc, autant la génétique est solide quand elle annonce un diagnostic, autant la génétique est hésitante dans beaucoup de cas en matière de pronostic du fait de la variabilité. Donc, dans le panorama des maladies rares que vous évoquez, qui est extrêmement vaste, c'est tout le problème, il y a des groupes de maladies où on a suffisamment d'homogénéité génétique, c'est-à-dire assez peu de gènes responsables. On les traite parfois par panel plutôt que par exome ou génome. Maladie dermatologique, par exemple, maladie ophtalmo de la rétine. Et là, on arrive à des taux de diagnostic assez élevés et une espèce de meilleure définition, si je peux utiliser ce mot, une meilleure perspective pronostique. Autant dans des systèmes très hétérogènes, où on est loin de ces qualités de diagnostic, typiquement les enfants que vous avez en IME, spectateurs anonymes, c'est plutôt ça, on est dans la déficience, dans les troubles neurodéveloppementaux. Alors le panorama des gènes, des mécanismes, des modèles génétiques qui ne sont souvent pas un seul gène, est tellement vaste que là, la génétique est déjà bloquée au diagnostic souvent. Enfin, bloquée, ça veut dire qu'il y a des grands progrès. On est à peu près maintenant à 40% de diagnostic dans ces situations, ce qui était loin d'être rêvé il y a quelques années à peine, mais on est très loin du pronostic, très très loin. Et au contraire, la génétique a tendance là parfois à médire en disant « ce sera comme ça parce que je connais un autre enfant ou un autre jeune qui a ça ». Et là, il faut faire très très attention. On ne peut pas transposer si facilement dans ces domaines très hétérogènes. On a une question de Yoël qui est membre du bureau de l'Association française du syndrome de Noonan ou Noonan. Dans le cas des rhazopathies et plus particulièrement du syndrome de Noonan, on évoque 80% de gènes en cause retrouvés. Est-ce bien cela? Et comment expliquer que certains gènes ne s'expriment pas de la même manière d'un individu à l'autre? Alors c'est à peu près ça. Dans le groupe des rhazopathies, pour les autres personnes qui nous écoutent, c'est la voie RAS, RAS est une voie de signalisation très commune à beaucoup de cellules, qui est une voie de
régulation de la différenciation, de la prolifération des cellules. Je me multiplie ou je ne me multiplie pas. Et les impacts sur la voie RAS, qui sont une cascade de protéines qui agissent les unes sur les autres, ont des éléments communs qui aboutissent à un syndrome un peu canonique qui s'appelle le syndrome de Noonan, une petite taille relative avec parfois une cardiopathie, et des éléments de reconnaissance physionomique, etc. Et le fait que l'ensemble de la voie RAS puisse être impliqué a permis de tirer ce fil à partir d'une première protéine et de dire aujourd'hui un panel de gènes qui s'adresse aux rasopathies, oui c'est vrai, fait à peu près 75 à 80% de diagnostic une fois qu'on a fait cette hypothèse-là. Derrière ce diagnostic, on retombe sur la question précédente, c'est-à-dire il y a une très grande variabilité. Déjà dans les rasopathies, le syndrome de Noonan est l'archétype, mais ça va aller d'un syndrome qui, par exemple, ne comporte pas de reconnaissance physionomique facile comme le syndrome Léopard, à un syndrome beaucoup plus précoce, chez les plus petits enfants, qui s'appelle le syndrome de Costello, à des syndromes qui vont aller avec des atteintes dermatologiques comme le syndrome cardio-facio-cutané. Donc, on a autour de la forme typique, si je puis dire, de Noonan, on a une constellation de syndromes qui sont des cousins et ils sont tous liés à des anomalies de la voie RAS. Alors, qu'est-ce qui explique ces variabilités? Le gène touché, certainement. Dans le gène, parfois, la nature de la mutation, c'est-à-dire que ça peut être le même gène, mais des mutations de type différent, soit qui accentuent la fonction du gène, on appelle ça gain de fonction, ou qui vont perdre la fonction du gène, perte de fonction. Voilà quelques éléments pour expliquer la variabilité au sein des rasopathies. Merci, on va prendre juste deux questions parce qu'on arrive bientôt à la fin de la conférence. Oui. On a une question de Hélène qui demande « Comment sait-on que la recherche avance sur notre maladie ou comment faire pour que ça soit le cas et comment se font les liens entre les hôpitaux et les chercheurs ?» Il y a beaucoup de… Julie complétera parce qu'on se regarde parce que c'est une question capitale et très difficile. Vaste. Et vaste. Mais elle est essentielle. Alors, les associations de patients, et la journée, c'est la journée aujourd'hui des maladies rares et des associations de patients de maladies rares ont un rôle essentiel dans cette information. Et ils se tiennent au courant du côté des familles, du côté des enfants, des patients atteints et du côté des médecins. Donc, c'est cette interface, leurs newsletters, leurs sites sont souvent extraordinairement bien faits, très professionnels. Et je sais que l'immense majorité des associations, pour ne pas dire toutes, font très attention à avoir un conseil médical, un conseil scientifique qui va les aider à trier les informations. Et d'un autre côté, les médecins apprennent fantastiquement par les associations. Ce sont des associations qui ont vraiment été à l'origine de la dynamique des maladies rares, notamment en France. Donc, les associations. Deuxièmement, le plan maladies rares, qui est un plan gouvernemental, vous savez, on en est à la troisième version, a comme objectif l'information, la diffusion de l'information. Et notamment, c'est toutes les filières de santé maladies rares, les centres de référence maladies rares, on dit centre, il faut peut-être lire plutôt réseau, ça veut dire que théoriquement, n'importe où dans le territoire français, métropolitain et outre-mer, un enfant ou une famille atteinte de maladies rares doit pouvoir relativement rapidement trouver une connexion avec ce réseau maladies rares et être référé aux personnes qui savent. Et les personnes qui savent sont très, très dispersées sur le territoire national, mais sont unies par ces réseaux. Et puis enfin, il y a la dimension recherche. Et là, je dirais qu'il y a une couronne entre 5 et 10 instituts de recherche ou centres de recherche, et peut-être plus encore, qui sont disséminés sur le territoire, qui sont liés au plan et qui font des travaux dont vous devez pouvoir trouver les avancées sur leur site. C'est un peu le sens de la journée d'aujourd'hui, d'ailleurs, de dire qu'est-ce qui se fait, comment se tenir au courant. Voilà quelques instruments, les associations, les outils du plan maladies rares, filières et centres de référence maladies rares. On veut trouver type de maladie par type de maladie, les meilleures informations, et puis les instituts et centres de recherche qui leur sont liés. Alors, merci beaucoup. Il y avait une dernière question, on va prendre une dernière question concernant, vous parliez, professeur Stéphane, des différences de conseils en génétique et notamment des tests préimplantatoires, tests prénatales, diagnostic prénatal. Est-ce que il y a Laura qui nous demande si vous pouvez préciser un peu ces,
Alors, c'est différent de diagnostic. D'accord. Le diagnostic prénatal, c'est celui qu'on fait en cours de grossesse hein, pour une patiente qui est enceinte naturellement, entre guillemets, et qui a un risque d'avoir un enfant atteint de maladie génétique. Donc, il y a toutes sortes de tests. On peut les faire à différents termes de la grossesse, suivant le risque que l'enfant soit atteint de la maladie, suivant le type de maladie, etc. Donc, il y a toutes sortes de tests. Je peux pas, ça nécessiterait une cour à part entière, mais voilà. Donc, ça, c'est le diagnostic un peu conventionnel qu'on fait depuis très longtemps en France, avec l'idée, quand il y a une maladie génétique in utero chez un fœtus, de pouvoir éventuellement la prendre en charge parfois déjà in utero. Et il y a des traitements qui commencent un petit peu à apparaître. Et puis, quand il n'y a aucun traitement et qu'on est dans le cadre d'une maladie particulièrement grave et pour laquelle il n'y a pas de traitement, la possibilité en France de réaliser une interruption de grossesse pour raison médicale. Après, dans les autres approches, il y a effectivement ce qu'on appelle le diagnostic pré-implantatoire, qui est un diagnostic qu'on fait sur des embryons conçus in vitro. Donc là, ce n'est pas une grossesse naturelle, entre guillemets. C'est une grossesse pour laquelle on a besoin d'une aide médicale à la procréation, même si on n'a pas de problème de fertilité. On doit recourir à une fécondation in vitro, donc ça nécessite une stimulation ovarienne des ovaires pour recueillir les gamètes, hein, les cellules qui servent à faire les bébés, l'ovocyte des mamans, enfin les ovocytes en l'occurrence. Et puis, on féconde ces ovocytes avec le sperme du papa pour avoir des embryons et on fait le test génétique sur les embryons pour ne replacer que les embryons qui ne sont pas atteints de la maladie. Et aujourd'hui, en France, il y a 5 centres qui font du diagnostic préimplantatoire pour des maladies d'une particulière gravité et pour lesquelles il n'y a pas de traitement. On reste dans un cadre légal qui est très similaire à celui du diagnostic prénatal ciblé. D'accord, merci beaucoup. Il nous reste un tout petit peu de temps, donc on va prendre une question. Et Benjamin, vous pourrez reposer votre question ensuite à l'oral, votre micro est toujours activé. Mais juste avant, il y a Anaïs Beaufour qui demande quelle est votre position sur les symptômes liés aux anomalies génétiques sur les chromosomes sexuels, tels que les termes comme intersexe, dysgénésique, gonadique, etc. Comment l'abordez-vous? C'est une question un peu ambiguë parce que en fait, pour moi, il y a la caractérisation d'un problème génétique en rapport avec un chromosome sexuel. Ça peut être effectivement une ménopause précoce, dysgénésie gonadique par exemple, ou une ambiguïté sexuelle. Et là, on est dans le cadre d'une maladie qu'on va caractériser et on va éventuellement tomber sur une anomalie d'un chromosome sexuel, mais ça peut être aussi sur un autre chromosome. Hein. Ce n'est pas toujours les chromosomes sexuels qui donnent des anomalies du développement sexuel. Et après, le terme pour moi intersexe est plus, en fait, n'est pas vraiment un terme médical, plus un terme sociétal. Où finalement la génétique n'intervient pas. On n'est pas dans quelque chose qui est une maladie, on est dans quelque chose qui a un rapport sociétal à la définition sexuelle des individus. Et on est dans quelque chose qui est différent. Je ne sais pas si. Du coup, pour terminer, Benjamin, si vous voulez activer votre micro et poser votre question, on vous écoute. Moi, je ne sais pas si vous nous entendez, comme vous leviez la main, mais peut-être que du coup, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup pour votre intervention. Merci à vous derrière vos écrans pour votre participation et vos questions. On vous donne rendez-vous dans un petit quart d'heure à 14h pour la suite des webconférences avec la génétique pour les enfants, l'ADN, les gènes et la cellule. Pour les autres, on vous souhaite une excellente journée et un bon dimanche. Merci beaucoup. Merci. Merci.